C'est ce samedi, dans une salle remplie par les amoureux de la musique gospel, que le label Royal Factory a présenté au public la sortie de deux singles. Tour à tour, les deux artistes ont présenté leur œuvre pour Mir Ayam, c'est Honneur et Gloire. À la question de savoir pourquoi ce titre, l'artiste répond. Honneur et gloire, c'est tout simplement pour rendre honneur et gloire à mon Dieu qui mérite toute la gloire par rapport à ce qu'il fait et ce qu'il fera encore dans ma vie. Otiniel, qui à l'âge de 8 ans intègre l'église d'Antioche de Moanda et débute la musique, reconnaît que sa famille est à la base de l'artiste gospel qu'il est devenu aujourd'hui. L'impact de la musique que j'ai, et j'ai envie de dire, émane de la famille, parce que c'est la famille qui m'a emmené à l'église, c'est la famille qui m'a instruit, c'est la famille qui m'a éduqué. Et j'ai grandi quasiment dans ce cercle familial, tant dans ma famille biologique que dans ma famille spirituelle. Royal Factory, qui ne cesse de se positionner comme un label incontournable dans la promotion de la musique gospel au Gabon, a également lancé un site de musique streaming pour accentuer l'exportation des artistes gabonais à l'international dans le but de toucher encore plus de monde par le message de la conversion.